il y a 70 ans, le 10 septembre 1952, le cercle de Voile était créé par les membres présents à cette époque. Nous avons plus de 300 licenciés au niveau de la Fédération Française de Voile, donc licenciés à l'année. Les activités pratiquées, les activités au niveau de l'école de voile, avec une grosse activité tout au long de l'année avec la voile scolaire. Nous avons également une grosse activité en été avec des groupes institutionnels, de plus en plus de particuliers. Et vous vous doutez bien que cette année, on a subi le feu qui était autour de nous. On va rendre un petit hommage aux pompiers qui étaient là pour défendre la halte nautique et bien évidemment le club, et qui ont évité que ça se transforme en catastrophe pour les plaisanciers et pour nous. Alors depuis maintenant 17 ans, nous travaillons dans le sport adapté et dans le handicap physique. Nous avons des journées dédiées où il y a des entraînements avec des jeunes du club et des valides qui viennent donner un coup de main à leurs équipiers pour pouvoir naviguer sur des bateaux adaptés. Nous avons également une action au niveau des foyers, où nous recevons régulièrement 3 foyers sur toute l'année, donc une pratique régulière et qui nous permet de participer à différentes épreuves handi-valides. Il y a beaucoup d'émotions et je pense que ça remercie l'engagement des membres du club dans la vie de leur club et dans la pratique de la mixité, et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau du club.